Bonjour à tous. Salut tout le monde. Salut les mecs. Bien alors, ou quoi? On peut voir déjà qu'il fait froid ici, c'est la neige, c'est à part VGM qui est un peu chaud. Ça dépend pour qui il fait froid. Ouais mais il y a de la neige. VGM c'est un rider. J'ai mis un gros filtre de neige là, c'est incroyable. Je suis un peu frileux donc j'ai mis des vestes. Un peu normal. C'est une exclusivité ça. Ouais. Alors, pourquoi aujourd'hui on est frileux? Parce que aujourd'hui c'est... SSX. You love sex. SSX. Comme ils disent les Américains, ils disent SSX. Ils abrévient un peu, tu sais, genre ouais. I love sex. Yeah. Un peu ça quoi. Donc on est en demi, truc de fou. Les gars. Là ils le font grand jeu snowboard de EA Sport Big, développé en 2000 pour la sortie de la PlayStation 2, je crois, je ne suis pas sûr. Tu peux pas dire de conneries non plus. C'est incroyable. Donc oui. Si c'est ça. Si c'est ça. Donc là on peut voir déjà que c'est pour un jeu de demi, c'est pas moche hein. Ah c'est pas moche hein, franchement à l'époque. Il y a un peu d'orange un peu partout je trouve. Moi je trouve que c'est un peu noir un peu partout. Hein. Moi je trouve que c'est un petit peu bleu donc bon. Ah non c'est peut-être une lunette ça les gars. Ah pas faux. Ah peut-être. Moi je suis un petit peu flou aussi ah, donc oui, ah ouais. Donc je vais vous montrer déjà c'est un jeu de course de snowboard. Non bah. Donc Ah c'est cool. Avec des raccourcis un peu partout. Donc ouais. C'est un jeu qui se fun à mourir. Voilà j'ai vu plus mon raccourci ce moment. C'est pas grave. Fais avec. Donc là, sur le HUD, bon tout est flou mais je vais essayer de décrypter. Alors En bas à droite il y a la vitesse. Ouais ok. Okay. Donc je vais dire à 100 km/h. En bas à droite, ah ouais. Là je traverse une vitre ici que c'est un raccourci, bon j'ai loupé mon raccourci encore une fois. C'est pas grave. Ouais j'arrête de. Tu peux réessayer, voilà. Donc là j'ai fait un petit loup à bien. Au-dessus, alors qu'est-ce qu'on a au-dessus du kilomètre là? C'est le boost, la barre de boost. Ah il y a une barre de boost. Symbolisée par les anneaux, donc là j'appuie sur carré et j'active mon boost. Ouais. Bon voilà, il y a un petit effet de. Petit effet d'orange là. Et encore plus d'orange. Parce qu'en fait, on gagne le boost en faisant des tricks. Les tricks, c'est les figures comme je fais là. Yeah. Incroyable. Qui se font avec les touches L1, R1, R2. Ah, c'est incroyable. Et qui sont aussi avec les touches directionnelles pour faire des flips et tout. Ah, dommage. Alors, attention, là, on peut voir que le jeu est quand même assez ouf parce qu'on est quand même en train de rider sur des. Attends, si j'arrive, c'est assez ouf. Regarde, attention, là, j'entre dans le bâtiment. C'est incroyable. Ah, énorme. Oh là là, les bâtiments, oh là là. Là je peux slider sur les uplins mais là je vais les louper donc. Bon. tu peux bouger le panneau. Là on appuie sur select, on retourne au milieu de la piste. Donc là on peut voir déjà que le jeu se vaut clairement ouf quoi. Parce que normalement c'est le fun absolu, le plaisir de jeu continu. Là on peut entendre la bande son qui est quand même. Qui est faite de bruit un peu partout, c'est trop bizarre. On se croirait dans un flipper des fois, on est au niveau de la bande son. On peut savoir que les musiques ont été créées pour le jeu, mais elles sont vraiment, vraiment très très bien. Il n'y a pas de musique d'artiste. Non. Mais les musiques, les musiques sont vraiment très très bien pour. Elles donnent beaucoup de vie au jeu. Vraiment, c'est vraiment assez exceptionnel. Bon. Voilà, je vous montre les raccourcis. Petite excuse. Bon, là je suis retourné sur la vraie route, donc c'est là sur un grand pont. Bon, parce que forcément il me sort du raccourci vu que je me suis loupé. Sinon, au niveau du HUD, en haut à gauche, on aura tous remarqué qu'il y a la position. Ouais, donc je suis premier, parce que je suis un vieux. C'est pas trop facile. Avec les figures, on gagne des points en haut à droite, qui est pour le scoring. J'en parlerai peut-être un petit peu après. Ensuite, dans le HUD, on peut voir à gauche la position aussi. Parce que soit il y a le checkpoint, là je vais arriver au checkpoint. Okay. Checkpoint, je comprends que c'est un checkpoint dans le jeu. Donc c'est quoi le but du jeu? C'est d'arriver premier ou de faire le maximum non, de points? Non, c'est dernier en fait. Ah d'accord, ok. Le but du jeu, c'est d'être premier, effectivement. Mais de faire le maximum de points pour le premier point, c'est un bonus. En fait, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode course et le mode... Point. Freestyle. Ouais, non, ça peut pas comme ça, c'est un mode de jeu. À droite, c'était quoi les éclairs? C'est des boosts qu'on peut choper instantanément. Si tu chopes le truc et les éclairs, tu vas plus vite. Pour un certain temps. Donc là, j'ai fini la course parce que je suis un 2. Mais là, je vous ai montré plein de raccourcis, alors normalement, il faut les trouver tout seul. Il y a un grand partie du jeu qui va se faire. Vous allez devoir trouver les raccourcis, ça va être. C'est une part importante du plaisir du jeu, c'est vraiment fouiller les pistes le mieux possible pour vraiment connaître le moyen d'arriver le premier, quoi. Okay. Donc là, je vous ai montré les trucs, si vous n'avez pas tout compris, c'est peut-être tant mieux pour vous. Mais donc, vraiment, vous allez vraiment devoir tout trouver. Alors là, à la fin du chargement, ça c'est un des points faibles du jeu. Dès que le temps de chargement est passé, je vais pouvoir le montrer. Donc là, on peut voir, il y a deux modes, épreuve simple et circuit mondial. Mm-hmm. Circuit mondial, tout simplement, d'abord, pour commencer par épreuve simple, et pour ça, vous faites la course que vous voulez, peu importe. D'accord, okay. Circuit mondial, je commençais par montrer le nom de personnages qu'il y a. Il y en a
3, 4, 5, 6, 7, 8. Il sait compter. c'est pas énorme, franchement. Ouais, c'est pas... On peut voir qu'ils peuvent tous être améliorés, on peut améliorer leur carré. C'est, le dernier est complètement cheaté. Ouais, c'est parce que je l'ai suramélioré, il est vraiment trop bon maintenant. La vitesse et la stabilité, bon, les tricks, le carré, je sais plus exactement ce que c'est, tant pis. Bon, je vais reprendre mon petit favori, Hiro, quoi. Qui chez moi. On peut modifier son snow. Alors là, on peut voir en fonction du snow que je choisis, mais bon, ça change. En fait, j'ai moins de carré, j'ai plus de vitesse selon le snow. Et souvent, la vitesse des tricks qui va changer en fonction du snow que vous avez. Parce que si il est trop grand, vous allez faire les snows moins rapidement, ça paraît assez logique. On peut aussi bon, choisir, modifier vite fait l'équipement, bon là j'ai pas grand chose. Ouais, c'est pas super. En l'occurrence, ouais, bon. Super poussé comme ça. Ouais, voilà, en fait. Peut-être le trick book, le nombre de tricks que t'as fait avec ton personnage, ça se débloque au fur et à mesure quand on découvre de nouveau. Okay. Donc là, voilà, ok. Donc là, vu que je suis en mode épreuve mondiale, on peut voir que j'ai les médailles d'or en fait. Et donc à partir de là, ça me partait à parler de la très courte durée du mode carrière, qui est que. Bah, y'a pas beaucoup de courses. Bah, déjà, y'a que 6 courses. Et le but de Minecraft, ça veut dire pour chaque course, vous allez devoir faire 3 fois. C'est toujours pareil dans les niveaux ici. 3 fois ? Oui, bah en fait, vous allez devoir une fin. Je fais la course une première fois, ouais. Après tu l'as fait une seconde fois et. Et pourquoi faire ça ? Parce que pour la valider, en fait, tu faut à chaque fois dans les 3 premiers. Si t'arrives dans le 3 premier, tu gagnes la deuxième course. C'est la fausse augmentation du rating. En gros, c'est la carte de finale, demi-finale et finale. C'est pareil dans CX3. Ouais, hein. Ok, d'accord. Non. Si. Non. Je t'assure que si. Okay. Pour gagner une course, tu dois faire la finale après et tout. Là, c'est même ouais, genre de truc. Ouais, il y a des histoires comme ça, mais ça il me semble qu'il y a des trucs qui changent quand même. J'ai la difficulté à l'adapter en fonction si c'est finale, demi-finale, carte finale. Je pense, plus dur. Mais par contre, vous allez toujours avoir le même personnage contre vous parce que vu qu'il y a beaucoup de personnages, il faut quand même mettre. Là, c'est quoi là? C'est les trick party? Non, là, j'ai encore fait une course simple. C'est vrai que je suis con, j'aurais pu mettre. Ok, mais c'est. Là, pour ça, vous êtes que deux alors en fait. Non, on est pas deux, on est deux à démarrer, mais on est en tout plein dans la course. On est deux à démarrer. C'est vrai qu'il est assez au niveau. Le circuit. Moi, j'ai signé le 3 et le Undertower, mais je l'ai même touché et il a l'air quand même vachement plus court que les deux autres. Ouais, dans Undertower qui est le 4. Ouais. Là, c'est un trick boost. Si je fais les tricks plus rapidement, sauf que là, je me foire un peu sur les touches. Dommage. C'est pas très bien pour illustrer. Ouais. Donc, je voulais parler du mode show off aussi. C'est le mode de faire des tricks. Ouais, tu vas peut-être te montrer. Non, parce que c'est pas. En fait, c'est ça qui est un peu. C'est un peu KDB, c'est les mêmes courses, sauf que vous devez les parcourir en faisant les tricks. Ah, d'accord. Parce qu'au final, c'est la même chose, en fait, c'est le même circuit, mais vous devez faire des trucs. Il y a un seul circuit exprès pour les tricks, en plus, tu vois, faut débloquer. Yeah. Il est assez dingue pour les tricks, il y a vraiment des tas de chemins et c'est vraiment assez impressionnant. Mais vraiment, on peut pas le parcourir en tant que course et c'est vraiment que pour les tricks. Et est-ce qu'il y a du hors-piste? Il y a une circuit d'hors-piste qu'il faut débloquer en beaucoup de médailles d'or. Alors, je l'ai jamais débloqué personnellement parce que, vu que j'étais pas très bon en trick, j'ai utilisé les tickets pour l'avoir. Bon, voilà. Où le mauvais. Bah, il est vraiment excellent ce mode hors-piste, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que il y a un caractère très japonais, très coloré, etc. Voilà, sur le jeu. Là, on est en. Même les personnages, ils parlent un petit peu en japonais. Là, en fait, c'est parce que j'ai un personnage japonais en fait. D'accord. Il y a aussi des français, des américains, tout ça. Oh, ça va alors. Le français, il va parler en français évidemment. Ah bon? Ouais, il va dire ouais, je suis JP, je suis le meilleur. D'accord. En français. Et je commence à avoir la buée sans lunettes, c'est pas cool. Je vois plus grand chose. Moi en fait, tu vois, j'ai les lunettes qui sont en train de s'incruster dans mon visage, tu vois. Alors, super content. Tu vois, il y a des interrupteurs à pousser pour pouvoir passer dans le petit raccourci qui est là. Sauf que là, quelqu'un d'autre l'a activé derrière moi, du coup, ça a activé l'hélice, ouais, il me s'est envolé. Ça fait trop pour ça, arriver. Ouais. C'est fou dans le décor, là, on se croit vraiment dans un flipper, truc qui s'active n'importe comment, qui vaut vraiment des pièges partout. Ça rend partie du coup les délires du jeu, donc il va vraiment être super fun. Après, là on a montré une dans la ville et une là, il y a quand même les autres courses sont plus classiques quand même. Ouais, il y a vraiment une course qui est classique, la première, sinon il y a des courses qui sont. Ah, sinon c'est tout dingue quoi. Non, il y a une course à Hawaï. Une course à Hawaï. Ah, ouais, une course au milieu de l'eau, enfin c'est dingue. Il y a vraiment. Je vais pas montrer, non, je vais pas tout montrer. Comme ça vous le découvrirez. Voilà. Si vous avez le malheur de lâcher. Il y a pas mal de courses qui sont en mental, oui, mais elles sont quand même dingues au niveau de la réalisation, quoi. C'est vrai que là, c'est une piste qui se veut en salle, en fait. Cette course-là, ça. Ouais, voilà.
Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Durée de vie. Et surtout qu'ils ont recyclé pour le mode trick, qu'ils ont recyclé. Ouais. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, vu que si c'est le début de la PS2, ils avaient créé des charges à remplir. Comme c'était nouveau et tout, ils ont pas un budget énorme. Mais sinon, c'est vraiment. Ce jeu, c'est vraiment voulu révolutionnaire parce que ça portait vraiment du fun absolu. C'était vraiment un jeu qui a vraiment marché directement. C'est pour ça qu'il y a eu autant de suites. Ah ouais, c'est plus pour ça. Ouais, et donc pour un premier volet de la saga SSX, c'est vraiment un excellent jeu que je conseille à ceux qui sont fans de SSX, qui ont découvert par la suite. Donc, je sais pas quoi c'est, mais. Pour vraiment le découvrir parce qu'il vaut vraiment le coup. Il y a un multijoueur qui est classique, hein, vous allez faire toutes les épreuves en multijoueur, en course simple. C'est on s'éclate vraiment en famille. On peut aussi frapper les ennemis, je l'ai pas montré. Bon là je montre qu'il peut frapper avec l'analogique droit. Ceux qui connaissent, ça va pas vraiment les choquer. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment le précurseur de la saga SSX qui est vraiment excellent. Je sais pas si je suis en dessous pour montrer parce que je suis même pas en dessous. Mais... C'est que là il y a des espèces de boing boing. Là je fais exprès. Et là pour montrer un peu genre flipper là pour le petit truc à la fin qui va vous expulser si vous avez un peu de malheur d'approcher un peu trop. Donc un jeu qui se veut exceptionnellement fun mais à qui j'ai attribué la note de 15 ou 16 parce que bon voilà même s'il est court il est super fun surtout qu'il ne suppose qu'il devait demander de plein pot à la sortie. Ouais bah d'un côté c'était le début de la PS2 il valait vraiment son prix à l'époque hein. Bah, au niveau du fun et tout, par contre, au niveau de la durée de vie, si t'en avais fait assez vite le tour, ça ferait un peu quand même. Bah, ouais, parce que tu retourneras en multi pour t'éclater ou même en course simple. Faut vraiment booster tes persos à fond parce que. De toute façon, la durée de vie, c'est un truc qui sera corrigé dans les opus suivants quand même. Voilà. Quand oui. Durée de vie assez toute façon, il faut aussi améliorer les personnages au maximum. Donc, comment tu les améliores parce que tu es bêtise. Bah, en fait, à chaque fois, tu vas gagner des. Des courses, tu gagnes des points. Tu gagnes des points et tu les attribues à tes personnages. Ok. Donc, voilà, on va passer celui-là et puis. Qui est vraiment. Love SX. Assassin's Creed, c'est un bon sexe. C'est une blague qu'ils avaient fait au VGA en décembre dernier pour annoncer le nouveau Assassin's Creed. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y avait la fille qui était arrivée et qui avait fait You know why I love sex. Et il y avait le mec qui a fait You mean you love SSX. Voilà, ça m'a même marqué cette blague. Bon, bref, on s'en tape. À la prochaine. Voilà. À la prochaine pour ciao. Sur vidéo test. On aura peut-être un petit peu moins froid. Oui. Parce que là, putain, j'en peux plus. Salut. Ciao.